lieu. Hein. C'est tout nouveau ici. Hein. Ça, c'est, ça fait que quelques semaines qu'on a refait. C'était un vieux garage. D'accord. Oui. Oui, justement, je m'en pose pas. Bonjour, ça va ? Bonjour. Ça va ? J'ai travaillé entre temps. Goedemiddag iedereen. Bonjour à tout le monde. Ik ben Jasper Doren van de krant De Tijd en jullie aanspreekpunt voor het komende anderhalf uur. Je vais faire mon introduction en néerlandais. Si ça pose un problème pour quelqu'un, il y a la traduction est disponible. Vous pouvez prendre un casque, ça s'appelle comme ça, un casque. Là-bas, donc n'hésitez pas si nécessaire. Ok. Dus de komende anderhalf uur gaan we het hebben over de arbeidsmarkt, de toekomst van die arbeidsmarkt. Vanochtend is het daar al deels over gegaan, met onder meer de Europese dimensie daarvan. Vanmiddag gaan we het hebben over het Belgische luik, omdat er niet helemaal wat over te zeggen valt. Ik stel voor dat we misschien nog heel even wachten, zodat iedereen zijn spullen kan nemen. Comme j'ai dit, je vais faire mon introduction en néerlandais, mais après le débat se déroule partiellement en français, partiellement en néerlandais. Je pense qu'on va faire comme ça, que tout le monde parle sa langue.
si c'est ok pour vous. Oké, très bien. Dus we gaan het hebben over de toekomst van de arbeidsmarkt. Zoals ik daarnet zei, is het daar vanochtend al heel even of al heel lang over gegaan, onder meer over de Europese dimensie daarvan. Vanmiddag gaan we het hebben over het Belgische luik. Er valt wel wat over te zeggen, hè, omdat die arbeidsmarkt zoals we die vandaag kennen, dat die heel wat veranderingen te wachten staat, onder meer door de digitalisering. De robotisering dreigen, alvast volgens pessimisten, heel wat banen verloren te gaan. En zullen er wellicht niet meteen banen in de plaats komen, waardoor voor heel wat mensen werkloosheid dreigt. Dat is een van de redenen waarom het debat over het basisinkomen het zo goed doet. Daarnaast zien we ook een evolutie richting meer flexibiliteit. Deels door de e-commerce, maar ook door platformen zoals Uber en andere evoluties. En die twee dingen gaan samen met een sociaal model dat uit zijn voegen dreigt te barsten. Door de vergrijzing wordt het al maar duurder om pensioen en gezondheidszorg te blijven betalen. De overheid zal op zoek moeten gaan naar oplossingen om dat toch te doen. Maar dat wordt moeilijk gezien die evoluties op de arbeidsmarkt, of toch zeker binnen het sociaal model dat we vandaag kennen. En dus de vraag die ons panel gaat proberen beantwoorden is of ons sociaal model, zoals we dat vandaag kennen, met het overleg tussen werkgevers en vakbonden, met de overheid die daar komt tussen fietsen, of dat model de uitdagingen aan kan waar we voor staan. We hebben daarvoor een panel van 5 personen. We wachten nog op 1 iemand, maar ik kan alvast beginnen met introductie van de 4 anderen. Naast mij zit Philippe van Kersbilk. Il représente les syndicats ici, il est membre de la CNE. C'est une partie, une centrale, je pense, plutôt la plus grande de la CSC. Pour les néerlandophones, c'est het ACV. LBC, oui. Het LBC, dat een centrale is van het ACV. In de hoek zit Frank van Massenhoven, de topman van de FOD Sociale Zekerheid. Frank van Massenhoven is een topambtenaar met een uitgesproken mening, als ik dat mag zeggen. Er zijn er zowel meer, maar Frank van Massenhoven durft het ook publiekelijk te doen, wat hem siert, denk ik. Daarnaast zit Mathieu de Wijvre. Mathieu de Wijvre représente ici l'UCM, l'Union des classes moyennes. C'est une organisation des employeurs qui représente plutôt les indépendants et les PME. Et c'est pour les Néerlandstaligen, het UCM is het Franstalige broer van Uniso. En dan, last but not least, Sandrino Graceffa. Je ne pense pas que je dois vous introduire ici, mais c'est l'administrateur délégué de Smart. Et il vient où il a écrit un livre sur la matière dont on va parler cet après-midi. Et le livre s'appelle « Refaire le monde du travail ». Ok. De bedoeling is dat de sprekers zich kort voorstellen, kort een visie geven op de uitdagingen waar de Belgische arbeidsmarkt voor staat. En dat ze proberen enkele oplossingen aan te reiken. Et je vais peut-être commencer par monsieur Van Kersbilk, si ça vous va. Parce que dans le temps, on voit dans la politique qu'il y a pas mal de frustration chez les syndicats, quand je peux le dire comme ça, contre la politique du gouvernement, contre la tendance de faire de plus en plus de flexibilité au travail. Donc je veux attendre de vous. C'est quoi votre point de vue par rapport au notre modèle social? Il faut le tenir ou il faut le changer? Et quelles sont votre solution pour les enjeux qui sont devant nous?
Merci beaucoup pour votre introduction et merci pour l'invitation à Smart et à vous d'avoir le courage d'écouter malgré la chaleur. Donc, comme vous l'avez dit, je suis secrétaire général de la CNE. Je m'exprime à la fois en mon nom personnel et au nom de mon syndicat, mais malheureusement pas au nom de tous les syndicats. Je n'ai pas encore reçu le mandat de tous les syndicats pour les représenter. Ça ne saurait tarder. Alors, répondre à votre question demanderait au moins 2 ou 3 jours, hein, si c'était de dire toutes les solutions pour l'avenir du marché du travail. Donc, je vais être très modeste et vous devrez quand même peut-être contrôler le temps, parce que je peux parfois être bavard. Est-ce qu'il faut changer les règles d'encadrement du marché du travail ? Évidemment que oui. On les change depuis un siècle et demi. Il faut continuer à les changer. Je pense que celui qui penserait que les lois qui prévalent en 2017 seront encore bonnes en 2037 est évidemment un peu à côté de la plaque. Donc il faut changer. Mais il faut changer en sachant d'où on vient. Et donc je vais quand même prendre une minute, si vous voulez bien, pour identifier au moins 2 éléments. Je pourrais en dire 10, mais je vais en prendre 2, qui dans l'histoire de la construction de l'encadrement du marché du travail en Belgique me paraissent essentiels. Et donc je commence par le passé avant de parler de l'avenir. Un élément du passé, c'est qu'en 1900, donc il y a 117 ans, on a reconnu en Belgique que la relation de travail est une relation asymétrique. Et on a inventé le contrat de travail, donc avant cela il n'y avait pas besoin pour faire travailler quelqu'un d'avoir un contrat écrit. En 1900 on a dit non, si une usine, une fabrique veut faire travailler un ouvrier, il faut un contrat de travail. Pourquoi cela ? Parce que on voulait acter le fait que le travailleur face à l'employeur n'est pas dans la situation de quelqu'un qui fait une affaire, qui fait un deal, qui fait un contrat commercial avec 2 parties supposées libres et égales. Donc on a dit non, la relation de travail, c'est une relation asymétrique en termes de pouvoir, et donc on doit protéger le travailleur par un ensemble de règles collectives, et le contrat de travail dit je m'inscris dans ce monde du droit social qui n'existait pas à l'époque, qui s'est construit depuis. C'est un élément. Je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Le patron d'une entreprise, il peut se passer d'un travailleur. Le travailleur, il ne peut pas se passer de son salaire. Donc, voilà, asymétrie. Le deuxième élément, qui est plus récent, qui date depuis la Deuxième Guerre mondiale, et surtout dans les années 60, ça s'est construit de façon importante, c'est qu'on a considéré que la rémunération du travail, ça n'est pas du tout un prix. C'est pas comme quand j'achète un truc et puis je donne un prix et quand j'ai payé le prix, c'est bon. La rémunération, c'est un ensemble de droits. Alors évidemment, il y a bien de l'argent qui part de l'entreprise vers le travailleur, mais il y a des droits à négocier la rémunération collectivement. La rémunération, elle est protégée, vous le savez, j'espère. Et puis, il y a une dimension socialisée à la rémunération, sous forme de cotisation à la Sécu. On pourrait même aussi mettre le précompte à l'impôt comme étant une forme de socialisation partielle de la rémunération. Ça veut dire que la rémunération, elle crée aussi des droits pour si je tombe malade, quand je serai pensionné, etc., etc. Ces deux éléments-là, donc la relation de travail, elle est asymétrique et doit être reconnue. Et mon salaire n'est pas le prix de mon travail. Si c'était un prix, on le négocierait au jour le jour. On pourrait faire des ristournes individuelles, je ne sais pas. C'est le paiement encadré d'un système de droit personnel. Ces deux éléments-là, il me paraît essentiel de les conserver et même de les consolider dans l'évolution du marché du travail. Donc, est-ce qu'on doit changer ? Oui, on doit tenir compte d'un certain nombre d'évolutions technologiques. Mais pour nous, notre point d'attention, c'est tout ce qui rapproche de cet idéal une situation de travail, c'est une évolution positive. Et pour déjà mordre un peu sur le sujet, quand au début de son existence, si j'ai bien informé, Smart a dit à des artistes intermittents « Vous êtes en fait des gens qui sont au chômage et puis vous devez presque au jour le jour aller vous faire un tout petit bout de contrat avec un centre culturel, avec un théâtre. Et on peut vous rapprocher un peu d'une situation de travailleur salarié en organisant des contrats de travail qui regroupent plusieurs contrats et qui valorise le travail de préparation et tout ça, je pense qu'on était bien dans ce mouvement-là de rapprocher très précaire d'une situation de salarié encore assez précaire, parce que même un artiste
qui bénéficiaient d'un contrat SMART restaient une situation relativement précaire, mais on se rapprochait de cet idéal. Maintenant, des évolutions, on aura l'occasion d'en parler, je suppose, qui éloigneraient des travailleurs de cette situation-là, négociation collective du salaire, socialisation partielle du salaire avec des cotisations sociales sur tout le salaire payé, nous, c'est clair qu'on va les combattre parce qu'on pense que ces protections-là sont plus nécessaires que jamais. Comme introduction, ça va ? Bien sûr. Je vais donner la parole au monsieur de Bèvre parce que vous êtes le représentateur des employeurs. Oui. Je peux m'imaginer que vous n'êtes pas complètement d'accord avec monsieur Van Kaesbeek. C'est-à-dire, moi, j'avais préparé un petit PowerPoint. Oui, oui. On parle de ça maintenant. Ça ? Je peux le passer ? Je dois venir ici. Vous voulez changer de place ? Ou bien on change de place ? Oui, peut-être. Navré, je ne suis pas un tortionnaire, mais je n'avais pas... Bon, bref. Qu'est-ce qui se passe ici ? Rien ne fonctionne, au secours. Voilà. Moi, donc, comme introduction, d'abord, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Mathieu de Wèvre. Je suis conseiller au service d'études des classes moyennes. Et dans ce débat sur l'avenir du travail... J'avais décidé, en guise d'introduction, de vous présenter quelques-uns des grands positionnements de l'UCM sur ce qu'on estime, en tout cas, des questions qui vont largement se poser et se reposer dans l'avenir. La première de ces questions, c'est celle des accès à la profession, où nous nous sommes récemment posés pour le maintien du mécanisme d'accès à la profession. Alors, qu'est-ce que c'est que les accès à la profession ? C'est donc... d'abord et avant tout, un gage de qualité pour la prestation, parce qu'on sait que la personne qui bénéficie d'un accès à la profession peut garantir le fait qu'elle a été formée à un certain nombre de questions qui lui permettent de fournir une prestation de qualité. C'est ensuite un gage de sécurité pour à la fois le prestataire et le client, puisque, encore une fois, c'est l'idée que la personne qui preste n'est pas n'importe qui, elle a la possibilité de certifier sa prestation, et puis c'est un gage de solidité pour l'entreprise, dans la mesure où la personne peut garantir une prestation de qualité, on peut en tout cas espérer plus avant par rapport à une personne qui n'aurait pas les qualifications requises, que son entreprise sera plus solide, qu'elle pourra générer du revenu et donc de la sécurité, parce que la personne qui est le donneur d'ordre d'une entreprise dont elle peut s'assurer de la solidité, c'est un gage de sécurité, puisque s'il y avait un éventuel souci, elle aurait la possibilité de se retourner, et on a encore trop souvent aujourd'hui des cas malheureux où on se retourne contre une entreprise et malheureusement celle-ci a disparu. Donc, maintien des accès à la profession, mais en les adaptant. En les adaptant, pourquoi ? Parce que effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que notamment la question de l'existence des jurys pose question. En ce que, aujourd'hui, un accès à la profession se passe en répondant à un questionnaire informatique sur ordinateur. C'est largement regrettable, surtout quand il s'agit de valider des compétences manuelles. Donc, l'idée de validation des compétences est extrêmement importante. Et je souligne à cet égard que le gouvernement bruxellois s'est engagé sur cette voie et nous le saluons. L'idée également de limiter les recours à un préposé, que ce soit bien la personne, le chef d'entreprise, qui soit la personne qui apporte les accès à la profession, est également importante. Je cite également pour mémoire l'idée que les prestataires les plus expérimentés devraient également pouvoir être labellisés, nous paraît importante. Un autre point extrêmement important, et un autre questionnement qui agite pour le moment et n'a pas fini d'agiter les uns et les autres, c'est la question de l'économie collaborative, l'économie de plateforme, l'économie peer-to-peer. Elle a énormément de noms, d'ailleurs qui ne recouvrent pas tous la même réalité. Alors, est-ce que c'est une opportunité ? Oui, bien sûr. En 2016, l'économie collaborative a généré 28 milliards de revenus. On prévoit qu'elle en générera 500 en 2020, 500 étant l'estimation haute, je vous le concède. Enfin,
c'est tout de même une excellente opportunité, c'est un tremplin pour l'emploi pour les prestataires, c'est bon pour le consommateur qui a le choix, ça a un impact environnemental qui peut être intéressant, puisque en faisant circuler des biens plusieurs fois, on évite d'avoir à renouveler, donc à surconsommer. Donc il y a un intérêt environnemental évident à l'économie collaborative. Cela dit, l'économie collaborative, eh bien, n'est pas sans générer un certain nombre de contraintes, un certain nombre de soucis, qui font que certains peuvent la considérer comme une menace. L'économie collaborative fait pression sur les salaires, elle fait pression sur l'emploi. Les personnes qui pressent dans le cadre de l'économie collaborative, pour le moment, ne génèrent pas de cotisations de sécurité sociale, on en parlait tout à l'heure. Il y a aussi évidemment la question de la concurrence déloyale, il y a la question de la protection du consommateur, il y a la question de la protection de la vie privée, il y a également la question du monopole, où on peut très bien imaginer que certaines plateformes deviennent carrément monopolistiques, ce qui n'est pas sans poser de soucis. Donc, l'économie collaborative a besoin d'un cadre, elle a besoin d'un cadre qui puisse rester souple. Et c'est en ce sens que nous estimons que la récente loi, dite loi de Cros, eh bien, si elle est intéressante, elle n'est en tout cas pas complète en ce que elle fusionne un peu toutes les formes d'économie collaborative dans une espèce de grand hoche-pot qu'il est, à notre avis, un peu difficile d'accepter en tant que tel, puisque, je le disais, l'économie collaborative, c'est plusieurs réalités différentes, et puis en ce qu'elle ne règle que la question fiscale. Or, il y a un tas d'autres questions, j'en parlais tout à l'heure, qui se posent à l'économie collaborative. Donc, pour nous, il faudrait pouvoir réguler l'économie collaborative, mais la réguler de façon intelligente. Et c'est en ce sens que l'UCM, dans le cadre d'un avis rendu par la Chambre des classes moyennes, donc au Conseil économique et social de la région Bruxelles-Capitale, et nous sommes inspirés d'une étude qui a été réalisée par les Hollandais, par l'Institut Rathenau, qui estime que, il est important de pouvoir réunir une commission de juristes pour pouvoir définir, alors au cas par cas, dans quelle case juridique on pourra mettre les plateformes selon ce qu'elles font, selon un certain nombre de critères, leur finalité lucrative ou non, le fait qu'elles échangent ou des biens ou des services, la fréquence de l'activité, le type de plateforme, etc. etc. Ça, c'est la question de l'économie collaborative. Le troisième point que je souhaitais mettre en avant, c'est le groupement d'employeurs, qui est une formule à laquelle nous croyons beaucoup, en tout cas lorsqu'elle s'applique à des TPE-PME. L'idée du groupement d'employeurs est que c'est plusieurs entrepreneurs qui vont se mettre ensemble pour créer une structure, le plus souvent une ASBL, et c'est cette structure qui va devenir l'employeur des travailleurs, à charge pour cette structure donc de mettre les travailleurs à disposition des différents membres. Donc c'est une solution extrêmement intéressante en termes de flexibilité du temps de travail. C'est aussi un mécanisme intéressant en termes de gestion des carrières. On peut très bien imaginer que dans chacune des entreprises, les travailleurs plus âgés décident de baisser leur temps de travail et soient remplacés par des travailleurs plus flexibles qui viennent du groupement d'employeurs. Donc c'est tout à fait intéressant. C'est également une solution tout à fait légale à la question de la mise à disposition des travailleurs qui parfois posent un certain nombre de questions. Alors, pour terminer, la question, avant de parler définitivement de l'avenir, parlons du présent et posons-nous la question des employeurs. Les employeurs, ont-ils gagné? C'est la question que vous m'aviez posée en m'invitant à cette table ronde. La réponse est mitigée. Le gouvernement actuel, dont on sait qu'il est plutôt tourné vers les employeurs, a pris un certain nombre de mesures que nous saluons, la première d'entre elles étant la réduction des charges ou des cotisations patronales sur le premier engagement, la diminution du taux effectif des cotisations patronales, l'accès à la petite flexibilité, dont on peut reparler, en ce qu'on a beaucoup dit que c'était la fin de la semaine de 38 heures, or il ne s'agit finalement que d'une confirmation légale d'une période de référence, c'est un peu technique, dans le cadre de la petite flexibilité, mais enfin, on reste tout de même dans un cadre exceptionnel. Le régime de travail, lui, n'a pas changé. Ça n'était d'ailleurs pas nécessairement une demande, en tout cas, des PME. Donc, il y a de bonnes mesures. Y a-t-il des choses à changer ? Nous le pensons. Nous le pensons qu'il reste des choses à faire. J'ai souligné trois points importants pour nous. Décloisonner les carrières
en début de carrière, permettre l'accès plus facile à la carrière, faire un lien plus serré entre la carrière et l'enseignement, pas l'entreprise et l'enseignement, mais la carrière et l'enseignement, ce n'est pas la même chose. La deuxième chose, c'est faciliter l'embauche, faciliter le fait que, eh bien, un employeur, singulièrement lorsque c'est un petit employeur, ne peut pas nécessairement se baser sur les services de personnel spécialisé en ressources humaines, et donc l'idée qu'une période d'essai soit réintroduite est une chose à laquelle nous tenons de façon très très importante, et on ne peut que déplorer que le dernier accord ou projet d'accord en la matière n'ait pas pu fonctionner. Le dernier point qui nous paraît extrêmement important, c'est l'idée de simplifier les carrières mixtes, l'idée de simplifier le passage d'un statut à l'autre, l'idée que, aujourd'hui et demain encore plus, une carrière ne sera pas faite que dans un seul statut durant X années, mais les carrières seront mixtes, on sera un peu salarié dans sa carrière, un peu fonctionnaire, on fera aussi des contrats smart, ça paraît évident, en tout cas pour un nombre grandissant d'entre nous, on sera indépendant, on sera chef d'entreprise, bref, les carrières vont devenir de plus en plus mixtes, et il appartient au gouvernement de gérer ce phénomène, mais d'abord et avant tout en créant des règles qui permettent l'égalité entre tous les statuts et la transparence entre tous les statuts, le fait que, un statut, je perds un peu le fil de mon idée, mais c'est donc l'idée qu'il faut égalité des armes entre les statuts, et surtout que les personnes aient le choix de passer de l'un ou l'autre. Donc, est-ce que Smart est la seule solution d'avenir? Nous ne le pensons pas. C'est, par contre, évidemment, une des solutions qu'il convient de développer dans le cadre d'une égalité des armes entre les différents statuts. Je vous remercie. J'ai été plus long que vous, M. Van Kersbeek, je m'en excuse. Merci, M. Debèvre. D'abord, je veux encore vous introduire Mme Vielle, qui, je pense qu'elle vient directement de la Chambre. Oui. Elle est professeure, elle est juriste à l'UCL, et elle est spécialisée en sécurité sociale. Mais je veux d'abord donner la parole à M. Gracheffa. On a vu chez les syndicats et les employeurs qu'ils restent dans le système comme on le connaît aujourd'hui, avec des réformes, bien évidemment. Mais vous voulez, quand je peux citer votre livre, refaire le monde du travail. Ça veut dire quoi? Oh, c'est... Ça, c'est un truc d'éditeur pour vendre. Votre vision sur l'avenir et... La vision sur laquelle je peux m'autoriser à m'exprimer, elle ne couvre pas l'ensemble du spectre du monde du travail dont on sait aujourd'hui qu'il est extrêmement large. Moi, ce à quoi je m'intéresse, c'est à ce qui existe aujourd'hui, et on en a parlé dans la table ronde précédente sur nouvelles formes d'emploi ou les formes atypiques, c'est nous constatons qu'il y a un nombre de plus en plus important de personnes qui ne se reconnaissent pas totalement dans la vision binaire qui continue d'exister aujourd'hui, qui est d'un côté des travailleurs salariés, que certains d'ailleurs commencent à caractériser ou stigmatiser comme des gens qui seraient surprotégés, et de l'autre côté des travailleurs indépendants, extrêmement atomisés, qui ne bénéficieraient naturellement, puisqu'ils auraient choisi la liberté, d'aucune forme de protection ou de solidarité collective. Et donc, on le voit bien, nous sommes dans une période où, évidemment, coexistent ces deux formes classiques, non pas d'emploi, mais de travail. Et nous et d'autres constatons de plus en plus qu'il y a un nombre important
de personnes qui ne se reconnaissent ni totalement dans l'un, ni totalement dans l'autre. Je m'explique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent via Smart ou via des coopératives d'activité et d'emploi qui considèrent qu'ils sont à la fois autonomes, dans le sens où ils n'ont pas vraiment au quotidien une personne qui leur dicte ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire qu'ils organisent d'une certaine manière leur travail avec pas mal de liberté et surtout d'autonomie, mais qui en même temps ne se reconnaissent pas dans l'image que l'on a voulu développer de l'entrepreneuriat individuel, qui serait forcément quelqu'un qui des buts de lucre, d'enrichissement, de constitution d'un patrimoine, qui serait forcément quelqu'un qui sait ce que c'est que prendre des risques. Enfin, il y a toute une image qui s'est développée autour de l'entrepreneuriat individuel qui ne correspond pas en réalité à celle des personnes que nous accompagnons. Et cette image, elle existe depuis longtemps, mais elle s'est particulièrement développée ces 20 dernières années, entre autres parce que on a vu dans le travail indépendant une solution au traitement social du chômage de masse. C'est-à-dire qu'on a imaginé que parce qu'il n'y aurait pas assez d'emplois pour tout le monde, alors les gens peuvent créer leur propre emploi. C'était le ministre de l'économie Raymond Barre qui disait s'ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont qu'à créer leur entreprise. Je me suis amusé à faire la comparaison avec Marie-Antoinette qui disait « S'ils n'ont pas de pain, ils n'ont qu'à manger de la brioche ». Voilà. Donc ces idées se sont installées d'une certaine manière au point qu'on réfléchit toujours de cette manière binaire. Et donc, dès que l'on parle d'une autre réalité, d'une troisième, d'une certaine manière, catégorie de travailleurs, qui sont à quelque chose d'intermédiaire, eh bien, le risque, c'est que dès qu'on ose évoquer cette question et lever une forme de tabou sur l'existence de cette troisième catégorie, si on regarde d'un peu près les statistiques, notamment de l'Organisation internationale du travail, on s'aperçoit que cette troisième catégorie est en train de quand même d'augmenter de manière importante. Eh bien, dès qu'on évoque ça, tout de suite, le législateur, les institutions, tout le monde se sent obligé de penser que peut-être il serait nécessaire de créer un troisième statut. Et donc, moi, je ne crois pas. C'est-à-dire que je pense qu'il y a nécessité à faire évoluer la vision que l'on a du travail salarié et la vision que l'on a de la protection sociale qui doit s'étendre, d'une certaine manière, au-delà du salariat. D'une certaine manière, on doit pouvoir faire évoluer d'un côté, je dirais, le droit du travail, qui habituellement a été pensé d'abord pour le monde salarial, et lui permettre d'embrasser également un peu plus large toute cette catégorie de travailleurs qui sont de multiples formes, mais d'une certaine manière ne se retrouvent pas dans l'image classique de la subordination. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Merci beaucoup. Meneer Van Massenhoven, het is daarnet al aangegeven, we zitten met een sociaal model dat is gebouwd na de Tweede Wereldoorlog, met een arbeidsrecht dat grotendeels uit de jaren 70 dateert. Ook de vraag aan u, is dat nog up to date om de uitdagingen die voor ons staan, om die op te vangen? En hoe gaan we daarmee om? Ik ga beginnen waar Sandrino is geëindigd. Je hebt absoluut gelijk, Jasper, als je zegt, we hebben sociale zekerheid uitgevonden in 1944, 45. En wat heeft men dan gedaan? Men heeft natuurlijk gedacht, wat moeten we nu doen? Dus wat moeten we nu doen? Dat is sociale zekerheid gaan uitvinden. Niet vertrekkende van wat er allemaal is opgebouwd tussen 45 en nu, maar met de idee, als we nu een sociale zekerheid voor deze wereld zouden bouwen, hoe zouden we dat doen? En we zouden absoluut een aantal zaken niet meer
in die sociale zekerheid stoppen. Daar ben ik van overtuigd. Waarom? Omdat het idee van sociale zekerheid is, wat zijn de grote sociale risico's die mensen lopen? En er zijn er nu een paar die veel minder groot zijn dan degene die in 1944 bijvoorbeeld het hebben van een kind. Als je kijkt in ons land, het hebben van een kind is een teken nu van rijkdom. Je moet dus zien wie dat er veel kinderen heeft. Buiten de mensen die hier heel kort gekomen zijn uit migratie, zijn het allemaal mensen die enorm veel verdienen. Want je ziet dat mensen die alle twee goed verdienen, die hebben meer kinderen. Dat is de reden dat er in Scandinavië meer kinderen zijn dan in Griekenland. In Scandinavië heeft de vrouw 2 kinderen gemiddeld. In Griekenland, Italië en Spanje hebben ze 0,9 kinderen. Dat zijn allemaal dingen die we eigenlijk niet meer weten. Je moet van daaruit vertrekken en denken, wat zou de sociale zekerheid nu zijn? En dus vertrek ik inderdaad van wat Sandrino zegt. Wij zien dat de statuten zoals dit hier nu bestaan, dat die eigenlijk helemaal niet meer plakken op wat er gebeurt op de arbeidsmarkt. En dan kun je doen wat sommigen hier al hebben voorgesteld. Dus je moet er kunnen voor zorgen dat de ene gemakkelijk naar het andere statuut gaat. Sorry, dit is geen oplossing voor de 21ste eeuw. De oplossing voor de 21ste eeuw is denken in één statuut. En die definiëren en dan stilletjes aan alles ontwikkelen dat naar dat ene statuut gaat. En nu gaat u zeggen, u bent een dromer en dat kan allemaal niet. Bullshit, het is al gebeurd in Zweden. Men heeft het gedaan. En Zweden is er niet rouwig om. In Zweden zijn er geen ambtenaren, maar er zijn mensen die werken voor de overheid. En de wijze waarop je voor de overheid werkt, is dezelfde als bij ons. De entree is dezelfde, maar je hebt hetzelfde statuut als iedereen die op de arbeidsmarkt aan het werken is. En waarom zijn de Zweden daar zo content mee? Omdat het gewoon beter werkt. Het kost veel minder aan bureaucratie en de sociale zekerheid. Hun BNP is met 3% gestegen. Waarom doen we dat niet? Omdat we nog in het paradigma zitten van 1945 en het paradigma van 1970. We hebben gekozen in 1945 voor een Bismarckiaanse wereld. En waarom heeft Bismarck dat in 1870 gewild? Niet omdat het goed was voor de mensen, niet omdat het goed was voor de sociale zekerheid, maar omdat hij de mensen tegen elkaar kon opzetten in hun kosten. Men wilde zelfstandigen opzetten tegen de opkomende werknemers, die allemaal socialisten waren, die gevaarlijk waren. En je moest nog opletten ook dat de vroege burgerij geen grote klappen kreeg. Dus men heeft de mensen verdeeld in klassen, die ook nog eens in sociale zekerheidsklassen zijn opgedeeld. We zijn 2017... Als je een regime is een klein beetje voorbij aan het gaan, dus we mogen misschien wel eens denken aan de toekomst. En dan zie je dat de mensen die over ons sociale zekerheidssysteem moeten beslissen, of het nu ministers zijn, of vertegenwoordigers van de werkgevers of de werknemers, dat die nog altijd in het paradigma zitten van 1945. Op dit ogenblik is men nu al hoe lang? Ja, de mensen die hier zitten weten het beter dan ik. Ik denk 9 maanden aan het discussiëren in de groep van 10 hoe de pensioenhervorming zich moet evolueren de volgende periode. Men geraakt er niet uit. En het is belachelijk. Er ligt een oplossing op tafel gemaakt door de pensioencommissie die veel beter is dan al die kleine dingetjes die men eraan wil veranderen en die alleen maar dient om de eigen groep sterker te maken. Pas het heel eenvoudige ding, pas absoluut het rapport van die pensioencommissie toe en we zullen zeker zijn dat iedereen in dit land rustig is, dat ze weten dat ze een pensioen krijgen en misschien zal het zelfs voor vele mensen een beter pensioen zijn dan dat van vroeger. Dit is de situatie waarin we nu zitten. Maar we zijn stilletjes aan, zelfs in een situatie gekomen die nog verder gaat dan het paradigma die ik nu aan het bespreken ben. Want je ziet, vooral in Vlaanderen, ik hoop dat het ook gebeurt in Brussel en in Wallonië, een bijna totale tewerkstelling. In West-Vlaanderen is er 3% werkloosheid. Er zijn ganse streken in Vlaanderen waar het zelfs onder de 2% zit. Iedereen die iets gestudeerd heeft van economie weet het. Je krijgt een arbeidsmarkt, maar redelijk goed werkend, wanneer dat er een frictiewerkloosheid is van 5%. Dat wil zeggen, de war for talent, waar al jaren voor gewaarschuwd is, is bezig. En ik hoop dat die ook zal losbarsten in Brussel en Wallonië, want dan zullen er pakken mensen zijn die jobs krijgen en dan kunnen we eindelijk de tewerkstellingsratio boven de 75% leggen voor de mensen in de leeftijden die kunnen werken op de arbeidsmarkt.
En dus zit je nu al in een situatie dat men zich niet aanpast aan wat de nieuwe wereld wenst. The War for Talent wil zeggen dat de werknemer zal beslissen waar hij werkt. Want hij is schaars. En hoe doet hij dat? Die zal zeggen, er is nog iets anders dan het oude werk. Ik wil het nieuwe werk. Ik wil zoveel mogelijk autonomie op het werk. En als ik dat niet krijg, zorg ik wel dat er een organisatie komt, of zoek ik een organisatie waar ik dat kan doen. En dat zou bijvoorbeeld Smart kunnen zijn. Het is geen toeval dat Smart er is. Het is the things to come in the future. Daar ben ik absoluut zeker van. En mensen gaan dat blijven doen. Maar veel werkgevers denken nog altijd dat ze zijn zoals vroeger, achteroverleunend, en de mensen zullen wel komen en ze mogen blij zijn als ze bij ons werken. In West-Vlaanderen denkt men dat niet. In West-Vlaanderen is men nu aan het smeken aan mensen in Noord-Frankrijk, uit Genenhouwen, dat men absoluut daar komt werken. En men biedt ze van alles aan. Dus de toekomst zal zijn dat mensen voor een groot gedeelte kunnen bepalen wat er in een organisatie ook gebeurt. Dat er autonomie is, dat er absoluut medezeggingschap is in de organisatie en dat er rekening wordt gehouden met de familie. Want de flexibiliteit die je vraagt van die mensen die willen komen werken voor je, daar zal men een flexibiliteit terugvragen. Dus het ergste wat je aan mensen kunt zeggen, dat er een balans moet zijn tussen hun werk en hun leven. Want dat wil zeggen dat je eigenlijk op het werk niet aan het leven bent. En dat is voor veel mensen zo. Hè? Als je in Vlaanderen vraagt, ben je gelukkig met het werk dat je doet, dan zegt 17% ja. En anderen zeggen, ja, ik ben aan het wachten op het weekend en ik ben aan het wachten op pensioen. Ja, als je op zo'n manier je arbeidsmarkt organiseert, dan maak je mensen doodongelukkig en ben je eigenlijk slecht bezig voor je economie ook nog. Dus we moeten verder denken. De mensen die mij volgen weten dat ik dat in mijn eigen organisatie heb toegepast. Wij zeggen niet aan onze mensen waar en wanneer ze moeten werken. Het zijn niet de managers die beslissen wat er allemaal moet gebeuren. Wij doen dat samen met onze mensen en we hebben veel betere resultaten. Ik zie heel weinig organisaties, heel weinig bedrijven, er zijn er een aantal, die dat ook doen. En het is eigenlijk wat je nu moet doen de volgende 4-5 jaar. Wat er nu ook gezegd wordt is, ja, je ziet het, het werk gaat eraan. Ja, ik versta niet hoe men dat kan zeggen. Er is nooit zoveel werk geweest. Er zijn nooit zoveel mensen aan het werk geweest in België als op dit ogenblik. Nog nooit. En dan zegt men, ja, door die robots is er geen werk meer. Sorry, de robots zijn nog altijd niet aan het werk. We zitten niet in de vierde industriële revolutie. Die moet nog komen. Die moet komen binnen de 10-15 jaar. En dan weet men inderdaad niet, Jasper, of er veel werk zal zijn of niet. We weten het niet. En we kunnen er ook heel weinig over zeggen. Toen op het einde van de tweede industriële revolutie men overging naar de derde, en de derde is eigenlijk dat men de papieren processen verving door digitale. Dus dat de computer deed wat de mens deed. In de toekomst, de vierde industriële revolutie, is dat de computer iets zal doen dat de mens niet kan. Je hebt te maken met lerende organismen die niet menselijk zijn, dat is een totaal andere wereld. Maar waar we nu in zitten, is nog altijd de derde industriële revolutie. Want waar wordt er naartoe verwezen wanneer dat men zegt er gaan jobs verloren door de robots? Er wordt verwezen naar banken en verzekeringsmaatschappijen. Sorry, wat die doen, is gewoon mensen vervangen door computers. Ze zijn niet bezig met de computers te laten denken op een manier dat mensen nog niet kunnen. Dat komt binnen 10, 15 jaar. En dat is iets wat al lang te gebeuren stond en dat is wat nu gebeurt. Maar in de derde industriële revolutie worden er nieuwe jobs bijgecreëerd. Vandaar dat we nu in een situatie zitten dat er meer jobs zijn dan vroeger. Maar je moet je aanpassen. En natuurlijk, en dan ga ik mee besluiten, gaan we ook al moeten denken wat er binnen 10 en 15 jaar gebeurt. En we weten niet of er dan veel jobs zullen zijn. Het zou kunnen zijn dat er evenveel zijn als nu. Maar één ding, daar ben ik wel zeker van, dat een pak mensen die jobs niet meer zullen kunnen uitvoeren. Omdat alle jobs waar er opeenvolgend repetitief werk is, dat zal absoluut vervangen worden door machines. Waar je een klein beetje moet bijstuderen om iets te kunnen, dat zal vervangen worden door machines. Daar zie je al een klein begin van nu. Wat mensen denken is, binnen 10, 15 jaar zal er geen werk meer zijn voor mensen die nagenoeg niet geschoold zijn. Ik ben daar niet van zeker. Ik denk dat er nog mensen zullen zijn die de zaken zullen schoonmaken, die er zullen voor zorgen dat het vuil opgehaald wordt en zo verder. Waarom? Omdat ze zo ongelooflijk goedkoop zijn dat het niet loont om ze te vervangen.
Wat men zal vervangen is de lagere middengroep die te duur zijn, de boekhouders en noem maar op, die eigenlijk kunnen vervangen worden door computers. En stel nu dat je in de toekomst een situatie krijgt met minder jobs, dan krijg je natuurlijk de discussie van kun je dat maatschappelijk nog aan? Want je hebt de vraag van de herverdeling natuurlijk van de middelen. Hoe gebeurde de herverdeling van de middelen tot op vandaag? Eigenlijk tot op, moet ik zeggen, tot 2003, want dan is het een beetje gestopt. Dat is door mensen werk te geven. Eigenlijk door te werken herverdeelde je de inkomsten. Want in een bedrijf werd wat er verdiend werd de winst omgezet in kapitaal voor degene die geïnvesteerd hadden in het bedrijf, maar er werd evenzeer en zelfs meer ingezet om de mensen te betalen die het moesten doen in arbeid. Maar dat laatste, dat gaat er compleet aan in de vierde industriële revolutie. Dus daar ga je een probleem krijgen van herverdeling. En nu is men al aan het denken om dat te doen met basisinkomen, maar ik vind dat eigenlijk een beetje raar. Het basisinkomen is een idee uit de tweede industriële revolutie. En ik ben er zeker van dat men gaat moeten kijken, zeker voor die bepaalde groep waar er geen werk meer zal voor zijn in de toekomst, hoe die een inkomen zal kunnen hebben zonder te moeten werken. Maar of dat door middel van een basisinkomen zal zijn, dat ben ik niet zo helemaal zeker. Ten andere, wat men nu doet met basisinkomen is zeggen dat het niet kan omdat het te duur is. Had men in 1944 berekend wat de sociale zekerheid zou kosten, had men ook gezegd dat het niet te betalen was. Hè? Dus je moet vanuit een idee vertrekken en dan kijken waar je komt. Maar de allergrootste vraag, denk ik, voor de toekomst die zich zal stellen, is zelfs niet ene die te maken heeft met de arbeidsmarkt, maar die het gevolg is daardoor. Als er zoveel mensen zullen zijn die geen werk zullen hebben, maar wel een inkomen op een andere manier, hoe ga je die mensen nog zingeving geven in het leven? Als ik nu met mensen spreek en ik vraag hen wie ben je, krijg ik een antwoord wat ze doen. Dat is de zingeving van mensen. Die zeggen van ik doe dat in het leven, ik doe dat in het leven. Als dat wegvalt, hoe geef je zinvol, hoe zorg je ervoor dat mensen nog een zin geven aan het leven? En meestal zeggen mensen, we hebben een fantastische literator die daar ooit over geschreven heeft, en die een van mijn helden is, namelijk Camus, heeft gezegd, dan wordt de mens echt geëmancipeerd. Ik ben daar niet zo zeker van. Er zijn mensen die niet om kunnen met de problematiek van het eigen zinvol maken van een leven. En wij denken altijd dat het leven zinvol geven, dat zo goed is, dat zin geven, dat zo goed is voor de totaliteit van de wereld. Ik ben daar niet zo zeker van. De mensen die zich laten ontploffen met een bom hier in de metro, die denken echt dat ze iets zinvols doen zelf ook. Dus het kan ook een andere vorm aannemen. Oké, dank u wel. On va conclure cette introduction par Madame Vielle. Je vais exagérer un peu, mais on a deux choix. Soit on va faire des réformes du modèle qu'on connaît, soit on va introduire un autre modèle. C'est quoi la solution selon vous? Et voilà. Moi, je suis pas prophète, hein, donc. Je me rallie à une série de diagnostics et de constats qui ont été faits. On vit encore avec un modèle qui a été conçu sur les besoins individuels et collectifs de l'après-guerre, hein, de la période d'après-guerre, qui a très bien accompagné un certain modèle de production, qui a répondu à une série de besoins sociaux, individuels, et qui s'est bien adapté finalement, qui a fait preuve jusqu'à un certain point d'une grande flexibilité. Alors c'est vrai que c'était un modèle économique plutôt industriel, où l'employeur était clairement identifiable, où le lieu de travail était identifiable, où tous les travailleurs avaient le même contrat de travail et pouvaient se reconnaître entre eux par un statut commun, ce qui n'est plus du tout le cas dans l'entreprise d'aujourd'hui. Et c'est vrai aussi que le ménage, à côté de ça, ou l'idée qu'on avait du ménage, eh bien, c'était le couple hétérosexuel marié à un revenu, celui de l'homme, hein, madame de préférence à la maison, 2, 3, 4 enfants. Voilà le modèle sur lequel notre sécurité d'aujourd'hui s'est assise, a pris ses fondements, et à partir duquel elle a tenté de s'adapter. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, parfois, on arrive à... Moi, j'ai quand même l'impression qu'on arrive au bout
de quelque chose, au sens où il me vient toujours à l'esprit l'image de la belle-mère de Cendrillon qui tranche le talon de sa fille pour qu'il entre dans la chaussure. C'est un peu ça aujourd'hui. On essaye de faire à tout prix rentrer des situations qui ne sont pas du tout celles de l'après-guerre dans des catégories qu'on a mises en place à ce moment-là un carcan qui ne correspond plus tout à fait. Alors, quand on se demande comment faire évoluer ce bateau, bon, faire évoluer, c'est déjà toute une question, parce que mettre en œuvre un changement dans un pays aussi polarisé que la Belgique, avec les atouts de cette polarisation et le conservatisme de cette polarisation, c'est difficile. Je vais y revenir. Mais peut-être que ce qu'il faut regarder, c'est comment se poser, avant de donner des solutions clés sur poste, c'est quelles sont les questions qu'on doit se poser. Et donc, c'est plutôt réfléchir en termes procéduraux. La première question que moi, je me pose, si je dois me demander à quoi doit servir la sécurité sociale d'aujourd'hui, c'est qui est le bénéficiaire ? Qui est le bénéficiaire de cette sécurité sociale aujourd'hui ? Eh bien, c'est un individu, vous, moi, jeune, beaucoup plus vieux, puisqu'on vit beaucoup plus longtemps, qui va devoir, tout au long de sa vie, à la fois s'occuper de personnes qui sont dépendantes de lui, des petits-enfants, des personnes âgées dépendantes, peut-être quelqu'un qui est handicapé, nourrir ces personnes, pouvoir se nourrir lui-même et apporter des revenus pour ces personnes, qui va devoir s'interrompre donc à certains moments de sa vie pour ces raisons-là, mais aussi pour se former, évoluer vers d'autres, évoluer professionnellement. Donc c'est plus du tout le même, c'est plus un ménage à deux revenus avec des rôles complémentaires, comme dans l'après-guerre. La personne qu'il faut accompagner aujourd'hui, c'est une personne, et c'est cette personne-là. Si on l'accompagne correctement, on accompagne aussi les ménages, quels qu'ils soient. C'est la première chose que je me dis. Le travail de cette personne ne sera plus non plus le même. On en a abondamment parlé, ce n'est plus cet employeur clairement identifiable, dans un lieu de travail clairement identifiable, à des horaires de travail tous identiques pour toute la société. Bon. Et peut-être que l'objectif qu'on pourrait assigner à la protection sociale, puisque moi je raisonne en termes de protection sociale, c'est de se dire, mais il faudrait que cette personne, quelque part, dans ce climat de flexibilité, d'incertitude familiale et professionnelle qui nous caractérise tous aujourd'hui, et économique, ce qu'il faut lui assurer, c'est une capacité de retrouver un horizon projectuel, c'est-à-dire de se projeter, que ce soit dans un projet familial, un projet professionnel, un projet d'habitation, de ce que vous voulez. Donc c'est autour de cette idée de permettre aux gens d'avoir une assise suffisante pour redéployer leurs énergies dans tous ces domaines qu'il faut travailler cette sécurité sociale. Et à partir de là, on peut se demander quels sont les besoins à couvrir. Et je pense que ces besoins, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est à la fois des besoins pour les personnes, des besoins de travailleurs. Tout travailleur doit, à un moment donné, quand il perd son revenu pour des causes sur lesquelles on est d'accord, perte de travail involontaire, mais il pourrait y en avoir de nouvelles. Le fait de se former, par exemple, pourrait être une cause légitime de maintien du revenu, beaucoup mieux reconnue qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, cette idée de maintenir le revenu en dehors des périodes où on travaille pour une série de raisons garde toute sa pertinence aujourd'hui, peut-être pour d'autres éventualités plus nombreuses que celles de 45. Et puis, il y a des besoins auxquels devraient accéder tous les citoyens. Et je ne pense pas ici à un revenu universel, à une allocation universelle. Je pense plutôt à des besoins très fondamentaux comme la santé, le logement, l'énergie, l'eau, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la mobilité. Tout le monde devrait pouvoir accéder sans ne pas être contraint par des besoins de ce type-là, parce que quand on n'est pas en mesure de satisfaire ses besoins très élémentaires, il n'est même pas question qu'on s'investisse dans un travail ou dans une recherche d'emploi ou encore moins dans un projet familial. Donc je pense qu'on peut repenser
les besoins autour de ces questions. On peut aussi penser comment on redéploie les outils classiques de la sécurité sociale autour de ces besoins. L'outil le plus classique, c'est la mutualisation. Et cet outil reste utile pour couvrir des tas de besoins. Mais on peut aussi penser à comment on réinvestit les services publics, les services de proximité, des outils de régulation du temps sur l'ensemble de la société. Et puis tout ça nous conduit à nous poser des questions très fondamentales et très liées les unes aux autres, sur le financement, la solidarité et la délibération autour de toutes ces questions. Quand on parle de financement, il n'y a pas de solution toute faite. Moi, je ne crois pas du tout à la solution robot qu'on va taxer. Pas que j'y crois pas en soi. Je pense qu'elle ne pose pas la bonne question. Elle ne part pas d'une vraie question. La vraie question est, quand on pense à ça, c'est quel type de solidarité on met en œuvre au niveau de la société. C'est la première question qu'on... Donc, dans la société d'aujourd'hui, qui doit payer pour qui ? Et de quelle manière ? Et tout en permettant au modèle social de fonctionner. Donc ça, c'est la question. Et pour y répondre, il n'y a pas un expert qui peut répondre à ça. Personne ne détient la solution à cette question. Il y a juste la nécessité de redélibérer autour de ces questions, autour desquelles on ne délibère plus depuis bien longtemps. Et par rapport à ça, et je voudrais peut-être terminer là-dessus, l'erreur la plus grave qu'on pourrait commettre, vous entendez bien que les enjeux sont tellement importants qu'il s'agit vraiment de refonder une sorte de pacte social, en fait, autour du modèle qu'on vit aujourd'hui et de la manière de l'accompagner pour que chacun s'y retrouve le mieux possible. La pire erreur serait de jeter l'ancien modèle sans en avoir proposé et sans en avoir un nouveau qui fonctionne. Or, l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est que les mesures actuelles, y compris les mesures en matière de pension, mais certainement dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité sociale en général, sont des mesures qui tendent à éliminer un modèle sans avoir aucune alternative qui soit prête. Et donc ça, c'est ce qui peut se passer de plus grave. Et notamment la dernière loi sur le financement de la sécurité sociale, elle a deux conséquences. La première conséquence, c'est qu'elle évince les partenaires sociaux du jeu. Or, les partenaires sociaux, jusqu'à présent, c'était eux qui ont été les garants, en tout cas, du maintien de l'ancien modèle. Et avec les conservatismes qu'on peut reprocher à ce mode de gouvernance et qu'il faut adapter. Et donc, on est en train de faire disparaître toutes nos sécurités. Et d'autre part, cette nouvelle loi sur le financement de la sécurité sociale, elle est basée sur le principe d'une réduction progressive de l'enveloppe de la sécurité sociale, alors même qu'on a des besoins de plus en plus importants de redistribution et une société de plus en plus dualisée. Donc par rapport à ça, je pense que ce qu'il faut mettre en place avant tout, c'est une réflexion autour de qui on met autour de la table, quelles négociations on entreprend, et que cette négociation tourne autour d'enjeux très fondamentaux comme quelle solidarité on va mettre en place, avec quel type de financement et autour de quels besoins sociaux. Mais je n'ai pas de réponse toute faite à votre question. Dank u wel. Als we... we gaan nu even doorgaan met enkele korte vragen aan het panel. En ik wil dan ook nog vooral tijd aan jullie geven om nog een paar vragen te kunnen stellen. Maar mevrouw Viel schetst hier het idee van een nieuw soort sociaal pact. Frank van Massenhoven had het over, als ik het een heel klein beetje cru mag stellen, tabula rasa, een nieuw systeem, omdat de huidige systemen eigenlijk niet meer houdbaar zijn. Misschien eens vragen aan de vakbonden en de werkgeversorganisaties die het oude model verdedigden. Kunnen jullie zich daarin vinden? En zo nee, waarom niet? Qui d'abord ? Donc, je ne sais pas si je vais bien répondre à la question directement, mais j'y arriverai quand même à la fin, à la question de savoir si on fait la table rase ou bien l'évolution. Mais avant ça, je voudrais quand même prendre une minute pour réagir à deux, trois choses qu'ont dit mes collègues après que je sois intervenu. Très vite, parce que le temps est malheureusement un peu réduit. Ok, alors très vite. Je vais le faire un peu cash alors. Mon voisin à gauche, Van Wassenhove, a dit en Flandre occidentale, le problème n'est plus le chômage, on est au plein emploi, en Flandre peut-être plus globalement. Aujourd'hui, il y a plus de personnes invalides que de chômeurs, aussi en Flandre. Il y a aussi beaucoup d'exclus du chômage qui disparaissent des statistiques.
Et donc, mon point de vue, c'est que en Belgique, en Europe, le problème numéro un reste le chômage, si pas dans les chiffres, du moins dans la réalité. Et donc, pour moi, comme syndicaliste, mon problème, c'est d'abord de chercher un vrai plein emploi et pas une arrivée au plein emploi qui passe par l'exclusion et par le fait que nous avons 400 000 personnes en invalidité qui sont aussi malades du travail. Deuxième remarque, on nous a dit les statuts, il faut aller vers un seul statut, public, privé, indépendant, etc. Ça me fait toujours un peu sourire, bien sûr, mais lequel ? Est-ce qu'on va harmoniser vers le haut ou vers le bas ? Est-ce que les indépendants, que peut-être M. Dehèvre représente ici, qui disent voudraient un même statut, sont prêts à doubler ou tripler leur cotisation de sécurité sociale pour s'approcher des montants que payent les salariés ? Ou bien est-ce qu'on attend que le Père Noël vienne avec une brouette pleine de billets pour payer la sécurité sociale des autres ? C'est quand même des questions qu'on doit prendre au sérieux. Je n'ai pas le temps alors maintenant, puisque le temps est court, de dire quelques mots sur l'économie collaborative, mais je pense qu'il y a énormément de malentendus ou de poudre aux yeux sur cette affaire-là, et que très largement l'économie collaborative, ce sont des très vieux produits, comme par exemple livrer des repas à domicile, simplement emballés dans de l'évasion fiscale et du dumping social, rendu possible par une rente des situations monopolistiques. Alors, est-ce que on doit aller vers une adaptation du système ou une table rase? Quand même deux mots de mise en contexte historique. Le système qu'on connaît aujourd'hui et qui date du XXe siècle, tout comme le suffrage universel, hein, tout ce qui était au XXe siècle n'était pas mauvais, on ne doit peut-être pas tout mettre à la poubelle. Ce système-là, il a été construit après la guerre dans un contexte où le patronat et la bourgeoisie européenne avaient très peur. Très peur des rapports de force, très peur des soviétiques, très peur de la fin de la guerre. Aujourd'hui, les rapports de force sont extrêmement défavorables pour les travailleurs, quels qu'ils soient, encore plus pour les travailleuses. Et donc croire qu'on peut comme ça aujourd'hui dire on va réinventer un nouveau système, dans le rapport de force où on est, c'est vraiment sauter dans le vide. Et donc nous ne sommes certainement pas demandeurs aujourd'hui de dire on bazarde le système qui est assez abîmé, il faut bien le dire, et on va en inventer un autre. Et j'aurais quand même rappelé une chose. Ceux qui disent « Ah oui, mais le système aujourd'hui est obsolète, ça ne correspond plus à la réalité du monde du travail », regardons les dernières grandes inventions modernes, intelligentes, qui ont eu lieu dans le cadre du système d'encadrement du marché du travail et de protection sociale chez nous, en Belgique. Le crédit temps, le plan tandem, qui permettait à un travailleur âgé de partir à mi-temps, et avec l'argent que l'entreprise gagnait, on engageait un jeune à temps plein. Les droits personnels à la formation professionnelle, individuels, hein, en nombre de jours de droits à la formation. Tout ça a été, depuis 5 ou 10 ans, détruit ou réduit à rien par le gouvernement actuel ou par le précédent. Et donc ceux qui nous disent « Ah oui, mais il faudrait quand même un peu moderniser le système, etc. » Il faut voir que ce qui était possible il y a 10 ans, comme invention progressiste, à partir du cadre que nous avions, est en train d'être détruit, a été détruit par ce gouvernement. Et donc, en réalité, quand on nous dit que le système est obsolète, c'est ce gouvernement qui dit très clairement qu'il travaille pour le compte du VOCA et pour le compte des employeurs, qui est en train de faire réévoluer le système belge vers un système du 19e siècle. Mais donc, la sécurité sociale, comme elle est aujourd'hui, elle contient largement les potentialités de s'adapter et de se moderniser. Il suffit d'avoir une volonté politique ou, à défaut, un rapport de force. Monsieur Dehèvre. Oui, je suis plus ou moins d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je ne suis pas du tout pour qu'on fasse table rase du passé et qu'on impose un nouveau système dont l'un ou l'autre personnage aurait décrété qu'il était le meilleur. Moi, je suis pour la coexistence de plusieurs systèmes qui donnent lieu à des cotisations. Pour autant que les travailleurs aient le choix eh bien, d'aller soit dans un statut d'indépendant, soit dans un statut salarié, soit éventuellement dans un troisième statut. Mais enfin, en tout cas, il me semble qu'avec ces deux-là, on a déjà fait assez bien le tour de la question. Je ne vois pas pourquoi on ferait largement évoluer le système. Et effectivement, nous, on a sondé nos indépendants et non, ils ne sont pas pour
que leur cotisation augmente. Et ce qui nous a étonné, c'est qu'ils n'étaient pas pour que leur cotisation augmente, même si on parlait d'augmenter leur protection. Ils ne sont simplement pas pour que leur cotisation augmente. Meneer Van Massenhove, wilt u antwoorden? Het is altijd grappig om te horen hoe dat mensen een interpretatie geven van wat je zegt. Ik heb hier twee dingen naast mij gehoord dat ik helemaal niet gezegd heb. Tabula rasa heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd we moeten komen tot één systeem. En je kunt, wat ik niet geloof is, dat je vanuit het denken, en dat is een beetje wat mevrouw ook zegt, vanuit het denken, het paradigma dat er nu is, en dat we dat een beetje aan te passen, dat we tot een beter systeem gaan komen. Ik geloof het niet meer. We zijn op het einde van dit systeem. Wat je moet doen is inderdaad, ik geloof daar heel sterk in, een nieuw sociaal contract hebben, weten waar je naartoe gaat en stilletjes alle zaken die er nu zijn, laten evolueren naar een nieuw contract. Voor iets dat inderdaad past in de 21ste eeuw. Al de zaken die er nu zijn, die mandaten, die passen gewoon niet. Als je verschillende statuten hebt, heb je altijd hetzelfde probleem. Je hebt een run to the bottom. Wat gebeurt er nu? En dat is waarschijnlijk wat veel gezegd wordt over smart. Dat is, ja, dat zijn allemaal schijnzelfstandigen. Ik heb nog niet veel het woord schijnwerknemers gehoord. Waarom is dat? Omdat inderdaad zelfstandigen een slechter systeem is in de meeste gevallen. Waarom moet je dus zorgen voor één man, voor één statuut, dat er geen slecht systeem meer mag zijn? Waar je ook zit, dan heb je hetzelfde systeem. Kijk, je zegt van je moet ervoor zorgen dat mensen van het ene systeem naar het andere gaan. Ik zie heel weinig, ik ben geen ambtenaar, hè? Dat is raar, ik ben de baas van een ministerie, maar ik ben geen ambtenaar. Ik zie heel weinig ambtenaren die naar de privé gaan of zelfstandiger worden. Er zijn er een aantal bij mij die het gedaan hebben. Maar waarom? Omdat het stelsel zo ongelooflijk goed is dat ze erin gevangen zitten. Ik ken mensen die doodongelukkig zijn dat ze ambtenaar zijn, maar ze zijn bang om eruit weg te gaan omwille van de zekerheid van het inkomen en de zekerheid van het pensioen. Daarom geloof ik niet dat al die systemen naast elkaar kunnen gaan. Je denkt toch niet dat ik ben, als je mijn antecedenten ziet, dat ik voor een systeem ben waar er geen solidariteit zou zijn. Ik bedoel, natuurlijk zie ik in dat er een aantal zaken gebeurd zijn de laatste jaren op basis van het systeem dat er nu is. He, men heeft dat, alles wat er nu, zoals mijn buur hier zegde, slecht is gebeurd. He. Ja, dat is gebeurd binnen dit systeem, he. Niet binnen een systeem waaruit men de nieuwe solidariteit heeft gedefinieerd die er zou moeten zijn in de toekomst. He, dus ja, je mag nooit een parodie maken van een voorstel natuurlijk. He. Alleen als men echt niet gelooft dat het systeem zoals het er nu is, op het einde van de mogelijkheden is, dan gaan we nooit tot een nieuw systeem komen. En dan komt de solidariteit in grote problemen. Waarom? Omdat je natuurlijk ook nog evolutie ziet in de wetenschap. He. Inderdaad, gezondheid is heel belangrijk. Maar in de toekomst gaan we van een pak mensen weten welke gezondheidsproblemen ze niet hebben. En dan zullen een pak mensen die zullen zeggen, we opt-out. Wij gaan niet meer in de ziekteverzekering, want we weten wat er ons kan overkomen, wat er ons niet zal overkomen. En dus gaan we er niet meer in. Dus je moet nu al oplossingen zoeken dat degenen die meestal dan beter opgeleid zijn, want we leven 27 jaar langer, die een betere gezondheid hebben omdat ze gezonder kunnen eten en leven en zo verder, dat die solidair zijn voor degenen die het niet kunnen. Natuurlijk moet je dat allemaal gaan doen. Monsieur Gracheva, j'ai vu un grand sourire sur votre visage quand Frank Van Massenhove a fait son exposé. Pourquoi? Non, mais globalement, moi, je suis dans une place qui est un peu particulière d'une certaine manière, puisque je ne représente pas les salariés, pas totalement, et je ne représente pas non plus les patrons. Nous sommes, nous, une forme assez nouvelle, d'une certaine manière, d'organisation, où on assume à la fois d'être une entreprise, au sens où on emploie des personnes et on a donc des responsabilités d'employeurs, et puis aussi on a des responsabilités économiques, puisque on est engagé à faire à employer des gens et donc à faire en sorte que l'emploi puisse être durable pour un certain nombre de ces personnes. Donc on a à la fois une responsabilité économique, mais notre sujet principal est d'essayer d'améliorer
la situation d'un nombre très important de travailleurs. Alors, j'ai souri parce que effectivement, on parle beaucoup de faux indépendants et je trouve que vous avez raison. En ce qui nous concerne, nous assumons, en tout cas moi je le fais personnellement, j'assume totalement qu'on pourrait parler de faux salariés lorsque on évoque la figure, ou en tout cas un certain nombre de figures de personnes qui travaillent via Smart, dans le sens où je pense qu'on fait un peu l'inverse de Uber, quoi. C'est-à-dire que Uber s'est arrangé pour faire croire à des travailleurs qui sont évidemment extrêmement subordonnés. Quand on regarde les conditions de travail d'un chauffeur Uber, il est beaucoup moins autonome que le chauffeur de taxi d'antan, s'il fallait dire que celui-là est une figure dépassée. Je veux dire, il choisit pas ses tarifs, il choisit pas ses clients, il choisit même plus l'itinéraire puisque c'est un algorithme qu'il fait pour lui. Je veux dire, il est d'une certaine manière, il est un peu le nouveau prolétaire, je suis désolé d'employer ce terme, d'une machine. Bien sûr, derrière la machine, il y a encore des hommes, évidemment, mais en tout cas, il est extrêmement subordonné, mais la force de Uber est d'avoir réussi à faire croire que ce travailleur était libre et qu'au titre de cette liberté, il pouvait jouir d'un statut de travailleur indépendant. Mais c'est une tendance qui, puisqu'on parle de Uber, mais c'est quand même une tendance qui se développe de manière générale et au-delà de Uber. D'une certaine manière, ce que nous faisons à Smart, c'est à peu près l'inverse, c'est-à-dire qu'on s'adresse, c'est difficile toujours de généraliser quand on parle de Smart puisqu'on s'adresse à des tas de réalités différentes, mais si on prend la figure de l'artiste, c'est par nature quelqu'un qui est extrêmement libre dans l'organisation de son travail. Je veux dire, il puise sa matière première dans sa propre intimité, dans sa force de création. Et pour autant, nous lui faisons accéder à la protection sociale en le transformant en travailleur salarié, en lui faisant des contrats de travail. Des fois, on a des problèmes avec mon voisin de gauche parce que on n'a pas indiqué des horaires de travail, par exemple. Ça arrive. Oui, bon, vos collègues. Simplement pour dire qu'on fait rentrer dans une case des travailleurs qui, et on le fait parce qu'on est persuadé qu'aujourd'hui il n'y a pas mieux que ça, c'est-à-dire on le fait parce qu'on part des besoins, c'est-à-dire est-ce que ces personnes qui sont des travailleurs, qui sont souvent des travailleurs précaires, qui par nature subissent ou choisissent mais vivent la discontinuité du travail, ont besoin d'un socle de protection, et il se trouve que celui qui nous paraît être le plus adapté est celui qui aujourd'hui est offert aux travailleurs salariés. Et donc, voilà. Alors, je voudrais juste un tout petit peu m'inscrire en faux, mais partiellement avec vous, dans le sens où je vous crois tout à fait sincère. Si vous questionnez des travailleurs indépendants, qui vous leur demandez, vous voulez bien payer un peu plus de charges et vous aurez un peu plus de droits, qu'ils vous répondent massivement qu'ils sont pas pour, je vous crois tout à fait sincère dans la démarche et dans la réponse qui a été faite. Mais moi, ce que je constate, c'est que aujourd'hui, les travailleurs qui viennent chez Smart sont beaucoup plus taxés d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, le travail qu'ils réalisent, en tout cas, est beaucoup plus taxé. Ce sont quand même des gens qui, d'une certaine manière, acceptent d'avoir quelquefois des rémunérations moindres par rapport à un travailleur indépendant, parce qu'ils ont réellement cette conscience qu'à côté, ils ont un bon niveau de protection sociale. Et pour moi, ce que ça traduit, je voulais juste inviter à cette réflexion, c'est que ce que traduit cette réponse, c'est que les personnes en question ne croient pas à la protection sociale. C'est-à-dire, ils ne veulent pas payer quelque chose auquel ils ne croient pas, parce qu'ils ne connaissent pas,
Est-ce que pour eux, c'est pas possible? C'est pas possible de toucher le chômage, d'avoir une bonne pension, d'avoir une indemnisation en cas d'accident du travail. Tout ça, c'est tellement en dehors de leur imaginaire et de leur scope qu'ils ont l'impression que c'est juste un truc pour les faire payer plus. Et donc, voilà, moi, je pense que à partir du moment où on a une pleine conscience, d'une certaine manière, qu'on travaille à la fois pour avoir une ressource financière qui nous permet de vivre dignement, mais en même temps, on travaille pour participer à quelque chose de collectif. Et ce quelque chose de collectif, c'est justement la protection sociale auquel nous avons droit et auquel les gens qui nous entourent aussi ont droit. Ok. Dernière question avant qu'on va donner la parole à la salle. Madame Vielle, vous avez parlé d'un nouveau pacte social, mais est-ce que c'est réaliste avec le contexte politique qu'on a et les relations entre les syndicats et les employeurs qui ne sont quand même pas trop bien? Ça fait longtemps que je réfléchis à cette question et ça dépend de la manière dont les acteurs eux-mêmes se mettent à s'approprier cette idée. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où les acteurs qui comptent autour de ces enjeux de protection sociale, qui sont certainement les employeurs et les travailleurs, mais je pense qu'il faudrait aujourd'hui élargir ça à d'autres forces de la société et de la société civile, sans doute. Il faut qu'ils s'approprient cette décision et cette problématique. Par exemple, il faudrait que les syndicats, c'est quand même un reproche que moi je leur fais depuis de nombreuses années, c'est de ne pas suffisamment avoir pris en compte le fait que le public auquel ils s'adressent se métamorphose d'une manière extraordinaire et que beaucoup de jeunes aujourd'hui entrent sur le marché du travail sans aucun statut et donc échappent au public cible traditionnel des syndicats. Donc je pense qu'à partir du moment où les syndicats prennent pleinement en considération ces évolutions du travail et le fait que leur public cible s'est considérablement diversifié et élargi par rapport à ce qu'il a pu être par le passé, ça pourra contribuer à faire avancer une délibération avec des acteurs qui sont en mesure de se positionner. Maintenant, ce qu'a dit Felipe Van Kersbeel, qui est tout à fait vrai, le contexte actuel est totalement défavorable. Moi, je ne vois pas comment aujourd'hui engager ce type de réflexion alors que politiquement il n'y a aucune volonté de répartir autrement la richesse qui n'est pas plus, on n'est pas moins riche qu'il y a 10 ou 20 ans, on est aussi riche voire bien plus riche, mais il n'y a pas de volonté de redistribuer cette richesse. Donc ça commence aussi par là. Donc voilà, je crois qu'il y a vraiment une réflexion sociétale à faire mûrir avant d'engager une telle discussion. Ok. Juste très vite, oui ou non, c'est réaliste? Un nouveau pacte social? Un mot? Oui. Pour vous? Ça demande une mobilisation très importante pour aller vers une généralisation du salariat plutôt que vers l'allocation universelle. Donc oui, mais quand même. Une mobilisation très importante. Très bien. Ik geloof niet dat het zal gebeuren met de mensen die nu rond de tafel zitten, nog politiek, nog werkgevers en werknemers. Maar er zal een zwarte zwaan komen van buitenuit die hen zal verplichten om dat te doen. Maar misschien nog even intreden op wat u gezegd heeft. Je hebt absoluut gelijk. Eigenlijk, waar we nog niet over gesproken hebben, toen we in 1944 sociale zekerheid hebben ontwikkeld, was de allereerste prioriteit het wegwerken van de armoede. Daar is men niet in geslaagd met de sociale zekerheid. De armoede is op hetzelfde niveau gebleven tot 1990. Vanaf 1996 is die gestegen. Dus als we nu tot een nieuw systeem moeten komen met nieuwe mensen, dat moet de allereerste, en daar treed ik je absoluut bij, het allereerste zijn, we moeten ervoor zorgen dat de armoede weggaat en je moet komen tot nieuwe systemen van herverdeling. En dus de discussie van herverdeling, de discussie van de toekomst van sociale zekerheid, van sociale bescherming, is heel sterk gelieerd. Oké, dank u wel. Zijn er vragen? Est-ce qu'il y a des questions? On n'a pas beaucoup de temps, donc peut-être juste votre nom et votre question.
On a des micros, on a des micros. Donc, Jacques Debris, Fébéco. Mon intervention porte sur la question du statut unique du travailleur. Pour souligner un point, me semble-t-il, c'est que quand on fait la distinction entre le travailleur autonome, pour faire simple, qui passe par la SMART, et le travailleur qui cherche un contrat à durée indéterminée dans une entreprise, présente comme deux comportements très différents, je crois qu'il y a une autre évolution qui se passe, c'est que le comportement même du travailleur dans une entreprise avec un contrat à durée indéterminée change aussi par rapport à l'autonomisation. Le besoin d'autonomisation est là, y compris pour le travailleur qui est dans une relation beaucoup plus classique. Et dès lors, on va se retrouver avec des gens qui vont avoir le même type de comportement. Donc je pense que le travail subordonné en tant que tel risque d'évoluer vers plus d'autonomie, et quelque part, je le souhaite. Et j'ajouterai encore que les employeurs les plus intelligents le savent et essayent de créer des conditions pour cette autonomisation, mais c'est une autre façon de penser la relation de travail, y compris sur la question des horaires que Sandrino évoquait il y a un instant. Hein. Bon, tout le droit du travail belge est pensé par rapport à des horaires. Et donc, voilà, cette évolution-là, et il y a quelqu'un dans le panel qui l'a fait dans son entreprise, qui est une administration, mais voilà, la révolution que vous avez faite, Frank Van Nessenhoff, dans votre administration, est une révolution de changer le comportement au travail vers plus d'autonomisation sans changer le statut, en l'occurrence, puisque vous l'avez fait avec ceux dont on pourrait imaginer que c'est le moins faisable, puisque c'est avec des fonctionnaires, comme on dit. Voilà. Comment vous réagissez à ça je veux dire, notamment les organisations syndicales, comment elles réagissent à ce que je viens de dire. Ceci pousse à plutôt le statut unique que le maintien des multiples statuts. Et oui, moi, ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, on constate que le lien de subordination aujourd'hui est de plus en plus ténu. Si vous prenez certains hôpitaux, il y a évidemment certains médecins qui ont le statut de salarié et pourtant qui sont infiniment plus compétents que leurs employeurs. À qui on demande évidemment de l'autonomie, parce qu'il ne s'agit pas de faire simplement ce que l'employeur demande, parce que l'employeur n'a aucune idée de ce qu'il faut demander. Donc bien sûr que l'autonomisation des travailleurs, elle est de plus en plus évidente. Moi, ce que je voulais mettre en avant, c'est la question du choix. Moi, je ne crois pas que les indépendants se moquent de la sécurité sociale. Simplement, ils ont fait le choix de prendre un statut qui a certaines compétences, et ils l'ont fait en connaissance de cause, puisque la sécurité sociale existait pour la plupart des indépendants bien avant eux. L'idée d'avoir plusieurs statuts, c'est d'abord et avant tout de pouvoir permettre des choix éclairés et qui ont des conséquences connues et qui aient une égalité des armes entre les différents choix. Mais là, je vais diverger un peu par rapport à cette analyse-là. Je vois qu'énormément d'indépendants payent cher des assurances privées, assurances complémentaires soins de santé, assurances garantie de revenus, etc. Ça veut dire qu'en réalité, les indépendants, comme tout le monde, sont demandeurs de stabilité, de sécurité, de maintien de leur sécurité d'existence, tout ça. Simplement, ils passent par le système qu'ils croient être le plus avantageux, abondamment subventionné par la fiscalité, c'est-à-dire y compris par tous les travailleurs. Et donc si le choix, c'est soit le choix de payer son ticket ou d'être passager clandestin, je m'excuse, je trouve que c'est un choix un peu biaisé. Et donc, ce que je vois aujourd'hui, c'est que l'autonomie dans la réalité du travail, elle est plus grande chez beaucoup de salariés. Je peux vous dire que les salariés qui travaillent dans mon organisation, ils ont une autonomie concrète presque infinie sur ce qu'ils font, à quelle heure ils le font, à quel endroit ils le font. Mais ils ont un contrat de travail et ils payent des cotisations sur leur salaire. Donc, l'autonomie réelle dans la vie quotidienne est une chose fort différente du contrat de travail de soi-disant subordination. Et beaucoup d'indépendants qui n'ont de contrat de travail avec personne se trouvent dans une situation matérielle de dépendance très forte, parce que s'ils refusent un client, ils n'ont juste pas à bouffer, ou ils perdent le client. Et donc ils sont obligés de travailler, y compris quand ils sont malades ou y compris le samedi. Et donc moi je pense qu'il faut sortir des descriptions fictionnelles, juridiques, de qu'est-ce que c'est l'indépendance, et simplement qu'on peut faire évoluer la réalité du travail pour à peu près tous les métiers,
peut-être que poètes et aquarellistes seront encore des exceptions un certain temps, vers un cadre de travail qui soit sécurisant et solidaire. Mais ça, ça passe par la reconnaissance d'une interdépendance réelle entre les travailleurs et de la volonté d'une, d'assurance sociale. Merci. Des autres questions ? Oui. D'abord vous, madame. Allez-y. Oui, bonjour. Auriane Lamine, Université catholique de Louvain. J'ai une petite question pour monsieur Van Kersbeek. J'aurais souhaité savoir quelle était aujourd'hui la stratégie de la CNE en réponse au développement de ces, bon, pas de toutes les plateformes collaboratives, mais très particulièrement de celles qui pratiquent la fausse indépendance. Est-ce qu'il y a une volonté de s'insérer dans ces modèles, une volonté éventuellement via des délégations syndicales de faire valoir des choses pratiquement pour améliorer la situation de ces travailleurs ? Merci. Très vite, deux choses. L'action par la loi ou par l'action en justice de faire reconnaître la responsabilité d'employeur à ces plateformes soi-disant collaboratives, qui sont juste du capitalisme de plateforme, hein. Et l'autre chose, c'est l'organisation collective. Hein. Il y a déjà eu, comme vous le savez sans doute, des grèves Deliveroo à Londres, des grèves Uber en plusieurs villes des États-Unis. Donc ce qu'il faut, c'est organiser collectivement, déjà commencer à le faire dans certaines de ces plateformes. Il faut que les travailleurs se sont organisés collectivement avant que les syndicats existent, hein, avant que les commissions paritaires ou les conventions collectives n'existent. Et donc on fait du syndicalisme off-road, là où le syndicalisme n'existe pas, là où les gens n'ont pas de droits. Parce que nous considérons que ces gens sont des travailleurs et que nous devons responsabiliser leur employeur réel, quelles que soient les constructions juridiques. Oui, moi j'ai une question pour Sandrino. Alors, en fait, je dis Sandrino parce que je ne sais pas vraiment comment prononcer ton nom de famille. J'entends des versions différentes, donc je n'ai pas osé. Donc dans ta réponse, tu as dit que tu représentes une exception, hein, donc, enfin, c'est-à-dire un certain type de travailleur créatif, artistique. Mais il faut quand même être aussi un peu universel, c'est-à-dire tu dois quand même avoir une idée de si tu étais le premier ministre de la Belgique, comment est-ce que tu changerais les choses. Et j'aimerais bien te faire sortir de ton carcan spécifique pour avoir une sorte de vision de la société. Quel serait l'idéal dans un monde où tous les travailleurs seraient autonomes et qui en même temps ont accès à un statut de salarié, enfin, à quoi ça ressemblerait ? Est-ce que c'est la vision Wassenhoven ? Est-ce que c'est la vision UCM, pardon ? Et est-ce que c'est la vision des syndicats ? Où est-ce que tu te positionnes dans ce champ de contradiction ? Moi, je sais prononcer ton nom. Je vais répondre à Michel Bowens. Moi, je pense qu'il faut vraiment partir des besoins. C'est-à-dire que je pense que aujourd'hui, on ne peut pas considérer qu'un certain nombre de besoins qui sont des besoins assez élémentaires, celui d'avoir accès à des soins de santé, celui d'avoir accès aux meilleurs traitements quand on a une maladie grave, celui de pouvoir élever dignement ses enfants dans un logement décent. Enfin, il y a un certain nombre de besoins qui ne peuvent plus être considérés comme quelque chose dont on ne pourrait pas apporter une réponse identique à tous les citoyens. Donc je crois que c'est très important de repartir de cette idée des besoins. Ça, c'est la première chose. Donc qu'il y ait plus d'universalité dans les réponses, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on dit ça, c'est pour ça que je suis assez... Je suis assez prudent dans mon expression, parce que dès qu'on évoque ça, le risque, c'est que nos discours soient récupérés d'une certaine manière pour justement détruire l'existant. Je sais bien qu'on est dans une période où il va falloir changer. Je sais bien que les systèmes actuels sont plus satisfaisants. Mais il ne faut pas insulter notre passé. Je veux dire, ceux qui croient que la modernité, c'est de tout casser, de repartir à zéro, se trompe, quoi. Même un artiste, il s'inspire toujours de ce qui a été fait avant. Et je veux dire, nous, si on est ceux qui participons à essayer d'inventer une protection sociale qui soit adaptée au monde de demain,
On ne peut pas le faire juste en disant ceux qui étaient là avant, les vieux syndicats, les vieux tout ça, ça ne sert plus à rien. C'est non, je veux dire, il faut regarder comment les organisations qui étaient en place ont réussi à s'adapter. On parle de quatre révolutions. Thibaut Wieber de la Confédération européenne des syndicats qui était là tout à l'heure a l'habitude de dire que souvent on accuse les syndicats de pas être en capacité de s'adapter à une nouvelle révolution, mais c'est à chaque fois on a dit que les syndicats allaient pas réussir à trouver des réponses à la révolution dite industrielle et ils l'ont fait. Donc moi je pense qu'il faut absolument, évidemment, faire changer les choses, mais l'erreur consisterait à s'engouffrer dans une brèche qui fait le jeu, pour être très clair, d'une vision qui s'impose un peu partout, qui est plus dominante que la nôtre de vision, qui est plus progressiste, qui est quand même une vision néolibérale, et qui vise à profiter de cette situation, d'une certaine manière, pour tout faire exploser. Et donc c'est pour ça qu'il faut que l'on soit extrêmement prudent quand on a un discours qui se veut moderne sur la nécessité de changement, parce qu'on est systématique, on prend le risque d'être récupéré par ceux qui veulent détruire ce qui existe. Et pour terminer, je pense qu'il faut tirer vers le haut, il ne faut pas regarder vers le bas. Si on parle, puisque c'est un secret pour personne et mon accent me trahit, donc je suis français, donc je regarde un peu ce qui se passe parce que en ce moment là, on s'ouvre une période extrêmement intéressante du point de vue de l'observateur que je suis, hein. Le nouveau gouvernement reprend à son compte cette idée de la flex sécurité en soi, qui est extrêmement intéressante, dont on sait que on a obtenu des résultats intéressants dans certains pays de l'Europe du Nord sur ce concept de flexécurité. Sauf que actuellement, dans la façon dont cette idée est reprise dans un cadre, allez, quand même plutôt néolibéral, et détourne le concept de flex. Le concept de flexécurité, c'est de dire OK, il y a un certain nombre de personnes qui, par la nature de leur travail, nécessitent d'être plus flexibles sur un certain nombre de choses, des horaires ou je ne sais quoi. OK. Mais en contrepartie de cette flexibilité, on ajoute de la protection. Là, on détourne ce concept de flexsécurité, puisque dans la vision qui est celle du projet du gouvernement Philippe sous la présidence de Macron, d'une certaine manière, ce qu'on veut faire, c'est en gros faire en sorte que tout le monde devienne plus flexible, ça c'est ça la tendance générale, mais en n'accordant pas des droits supplémentaires à tous, en accordant des droits supplémentaires à certains, et pas à ceux à qui on demande d'être plus flexible. Et c'est là où on voit, c'est juste pour illustrer ce risque qu'il y a dans le débat actuel autour de la nécessaire modernisation du marché du travail. Merci beaucoup. Ik vrees dat we hier moeten afronden. We zijn al een beetje over tijd. Ik bedank Smart om dit debat en deze interessante mensen samen te brengen. En ik bedank het panel voor hun tijd en hun wat ze verteld hebben. Dank u wel. Première fois qu'on le fait comme ça.